Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente tous les différents composants dans la fabrication de la craie. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Voilà tous les éléments. Cette table comporte tous les éléments qui ont la fabrication de la craie. Moi, c'est Will William, entrepreneur et promoteur dans cette offre Africolor. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner car sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business et tout ce qui tourne autour de l'argent. Comme je vous l'ai dit tantôt, sur cette table, nous avons tous les éléments qui ont la fabrication de la craie. Vous vous rendez compte qu'il ne faut pas beaucoup commencer à se lancer dans la fabrication de la craie. Il faut juste un peu pour commencer. Premièrement, le plus dur ou le plus difficile pour obtenir un capital, le plus dur pour commencer dans la craie, d'abord la machine. Puisque la machine commence sur 80% de capital total. La machine à elle seule commence sur plus de 80% du capital total. Après la machine, vous avez la balance sensible. La machine. Donc, ici, elle est gradée de la balance, c'est censé vraiment faire 1 gramme à 5 kg. Donc, pour marier 1 gramme, poser 1 gramme, ça balance, ça c'est électronique. Ça se gagne. Donc ça c'est que j'ai trouvé pour la quantité. Quand vous voulez pour la quantité, ce n'est même plus nécessaire. Là vous perdez le temps. Pesez chaque fois vos éléments. Donc nous allons plaquer, nous avons essayé de faire les mesures. Ce sont les mesures. C'est que j'appelle ça les douces. Là sont les mesures. Le plateau, l'homme ici, pèse 1 kg. Donc avec ça on part plus vite. Je vais vous donner 5 fois, ça va être 5 kilos. Ça va être rapide. Donc, c'est la même capacité. Donc, c'est à mesure de plaque. Donc, c'est à mesure de plaque. Tous les deux éléments sont proportionnels. Nous avons ici une assiette de plaque en question. Donc, c'est le même principal. C'est un pays pour assurer que le plateau pour faire de la craie. Mais chez nous, en suivant le plateau, c'est un peu en sentant encore beaucoup de difficultés. C'est bon, parce qu'on va faire des éléments. Des éléments qui permettent d'agir sur le plateau pour avoir une craie qui est plus douce et plus flexible et qui soit sur tout type de support. Donc, ceci par exemple, c'est de la brillance à la craie. Donc, ça, c'est le rend plus éclatant. Quand on l'écrivait, celui qui est éloigné, on voit les écrits sans difficulté. Mais c'est qualitatif, on n'est pas obligé. Mais chez nous, après qu'on nous la mette pour augmenter les qualités de nos écrits. Ici, nous avons le lubrifiant. Et le lubrifiant, nous avons appris dans nos vidéos pour commencer, c'est d'abord lubrifier la machine. Donc, ça, c'est le lubrifiant. Ça, lubrifier la machine permet de la faire sortir facilement. Dans une vidéo, fait une vidéo pour montrer comment parler le lubrifiant ou comment pour le composer. Puisque dans les grandes surfaces, il y a le quincaillerie, on peut le lubrifiant à importer, mais ça coûte énormément cher. Quand on voulait faire dans l'entrepreneuriat, il faut réduire beaucoup de dépenses le plus possible. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire une vidéo pour montrer comment fabriquer le lubrifiant. D'abord, on va voir qu'il y a trois types de lubrifiants. Il y a le lubrifiant naturel qu'on peut fabriquer à part des plantes. Nous allons voir cette vidéo. Nous avons les deux méthodes différentes qui sont des jus composés. Nous allons pouvoir regarder dans cette vidéo. Donc, abonnez-vous et vous allez voir cette vidéo différente. Différente naturelle, différente composée des huiles. Nous avons dans notre petit gobelet bol, nous avons là de l'eau. Donc, de l'eau, c'est l'eau qui permet de jouer tous ces éléments. Donc, ça les attache pour former quelque chose de plus de pâte. Nous avons ici le kaolin. Donc le kaolin, c'est encore des tables brutes. Le kaolin, on n'a pas encore traité ça. Ça fait aussi des tables de la craie. Ici, ça c'est une craie qu'on a fabriquée récemment. C'est une craie qu'on a utilisée, un matériel recyclé comme le gobelet pour verser la pâte. Verser la pâte de table. Mais la pâte, ça a solidifié. Donc, c'est écrit aussi, il n'y a pas de problème pour écrire avec, pour faire des dessins colorés, ça sera sans aucune difficulté.
avons ici le tamis de cuisine. Donc, vous savez, notre tamis soit pour tout ça, avec toutes les choses avec. Nous faisons ça pour le plat. Dans cette vidéo, vous avez comment moi j'utilise cela. Donc, ça permet de repêcher, c'est un carré dans le plat. Puisque le plat vient très loin, nos pays d'Afrique de fabrique du plat vient très loin. Ça fait la passe des mois avant d'arriver dans nos pays. Et quand ça passe facilement en haut, avec la chaleur, l'humidité, excusez-moi, c'est un café à chantier, donc on a fait couper les bruits. Mais c'est en tout que le plat vient de très loin, ça fait des mois pour arriver dans nos pays. C'est fait un peu au cours de son trajet, la réponse de la chaleur, de l'humidité, etc. Ce qui permet que parfois il y a des états qui se forment à l'intérieur. Donc avec du tamis, sur ce caillou, nous allons le mettre dans la barre de crème. Parce que si vous fabriquez la crème, ce caillou est à l'intérieur. À un moment donné, quand vous avez tué la crème, à un niveau donné, la crème ne sortira pas. Il va commencer à glisser sur tout le tableau. Vous voyez. Ça veut dire que ça a contre ce caillou-là. À ce moment-là, vous voyez, c'est vraiment très désagréable. Donc, quand on repousse, vous voyez que la crème, la pâte à crème, bien qu'elle soit elle, bien lisse. Des ardoises qui permettent de tester ce frère. On a la doise à partir. Donc, quand on se fait avec la doise à partir, la doise à moi. Donc, quand on fait le facteur, on devrait tester le savoir de son reste. Nous sommes pas sûrs. Mais la pièce là, exactement, on est sûr. Je vous dis à ce facteur que je voulais que vous m'appréciez, qui va m'apprécier. Nous allons vous apprécier. Vraiment vous apprécier et que au bout du marché il y a tout des critiques. Une fois c'est bon, on n'apprécie pas beaucoup de choses. Donc la bonne nouveauté c'est avec les matériaux. Donc c'est la doise, c'est la d'abord. Et ça sort sur ces adroits ici, ça fait sur le pied. Nous sommes sur vous, à l'extérieur, sur quel type de support, ça sort. Donc je crois que j'ai tout fini avec, j'ai tout fini de vous expliquer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez une question ou une préoccupation, laissez-nous cela en commentaire. Et pensez à vous abonner. Et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.